Clermont 18e accueille le Paris Saint-Germain 3e, un PSG qui reste sur un succès 4-0 contre Marseille et qui aligne toujours son attaque à 4 joueurs. Barcola, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé sont bien présents. Clermont de son côté est inquiétant, dernier du championnat, un point en 6 matchs seulement. Alevina, Cham et Nicholson sont notamment titulaires. Première accélération de Kylian Mbappé sur le côté, le centre en retrait, Ousmane Dembélé. Il essaye de déposer le ballon dans le petit filet, mais Mauri Diaw intervient. Le gardien de Clermont, formé au PSG, débute un match impressionnant. Nouvelle occasion parisienne avec Mbappé, toujours Diaw pour s'interposer. Les Parisiens ont gagné dans ce stade lors des deux années précédentes en Ligue 1 Uber Eats, 6-1 et 5-0. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué car ça ne passe pas. Domination parisienne assez large avec en première période 7 tirs dont 6 cadrés, 66% de possession de balle. Mais Diaw est toujours là cette fois-ci pour repousser la frappe de Randal Kolo Muani. Nouvelle opportunité parisienne avec la balle qui circule bien jusqu'à trouver une possibilité, une solution dans le dos des défenseurs clermontois. Vitinha, Ousmane, Dembélé, ça va très vite. Dembélé est seul, la reprise et encore Mauri Diaw, extrêmement solide. Le gardien de Clermont fait de grosses différences. Et le score est de 0-0 à la pause. Dès le retour du vestiaire, on imagine les Parisiens insister, mais Clermont attaque et se procure une énorme occasion. Konaté au départ de l'action, c'est contré, une reprise, Donnarumma sauve, le poteau avec ce tir de Magnin à bout portant, l'incroyable occasion clermontoise. Danilo dégage ensuite le ballon, le PSG a eu chaud sur cette action. Et Paris reprend sa marche en avant pour marquer le but qui ferait la différence. Achraf Hakimi pour le tir, sauvé encore par Diaw. Les Parisiens aimeraient obtenir un succès avant de se déplacer sur le terrain de Newcastle pour la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais ça ne passe toujours pas, il reste encore quelques minutes. Pascal Gastien sent que son équipe peut tenir un point précieux au niveau du mental, du moral. Mais Paris attaque avec cette action collective de grande qualité. Kolo Muani peut redonner à Gonçalo Ramos, centré en cours de match, ballon piqué, sauvé par Diaw, le dégagement clermontois. Alevina dégage dans Coffrier et ça passe à côté. Ça aurait tout aussi bien pu terminer au fond des filets. Les Clermontois s'en sortent bien, mais se sont battus jusqu'au bout pour tenir ce point du nul. Leur deuxième point de la saison. Aucun but dans cette partie. 0-0 entre Clermont et le PSG.